tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu un Yako Attitude. Donc prenez un tapis, une serviette, une bouteille d'eau et c'est parti, on attaque. Tu vas commencer, tu vas venir placer les pieds largeur bassin, ancrer les talons dans le sol. Inspire, rentre le ventre. Expire. Avec moi, inspire, lève les bras, rentre le ventre. Expire, tu viens placer le bras droit dans le dos et la main gauche. Tu cherches à attraper tes mains. Inspire, change, expire. Ok, tu relâches les coudes serrés, un squat, un tap. Sur le tap, tu ouvres les bras. Attention, tu restes et tu fais un T, tu tends les bras. Et le T, reprends, tap, tap, et bloque. Le T, tu restes ici et 4 squats. Tu restes en bas, place les mains au milieu des omoplates et remonte. Ouvre les bras. 4, 3, 2, reste en bas. Inspire et remonte. Relâche les bras. Inspire, rentre le ventre. Expire. Tu places les deux mains dans le dos. Tu cherches à attraper les bras. Relâche. Change de côté. Expire. Ok, tu reviens les coudes serrés. Squat, tap. Parfait. Ouvre les coudes. Tu bloques. Le T. Encore. 1, 2, 3, 4. Parfait. Tu bloques. Sur le T, quand tu rapproches les coudes, tu cherches à serrer les omoplates. 4, 3, 2, reste. Inspire les deux mains dans le dos au milieu des omoplates et tu ouvres tes épaules. 4, 3, 2, tu restes. Inspire. Expire, relâche les bras. Rentre le ventre. Ok, tu as placé la main droite dans le dos, le regard sur la gauche. Inspire, change de côté, le regard sur la droite. Légère inclinaison. Ok, relâche. Les coudes serrés, squat tap. 1, 2. Ouvre les épaules, ouvre la poitrine. Bloque. Serre les omoplates. Encore, squat, tap. Ouvre, ouvre la poitrine. Et tu bloques. Serre les omoplates. Les 4 squats. Parfait. N'oublie pas, recule les fesses et reste en bas. Inspire et remonte. Encore. En bas. Le poids du corps, il est sur les talons. Tu restes en bas. Remonte. Ok, là tu relâches, tu te laisses tomber dans le sol. Ouh. Tu vas venir placer les mains sur les cuisses. Tu remontes légèrement le dos, tu le places dos droit. Tu cherches à pousser la pointe des fesses et à tirer la tête vers l'avant. Relâche. Redéroule ta colonne. Squat tap. 1, 2. Tu bloques le T. Serre tes omoplates. 1, 2. Parfait. Le T. Serre tes omoplates. 4, 3, 2, 1. Oula, je suis. Remontez. Avec 4 squats. 1, 2. C'est sur le quatrième que tu restes en bas. Reste en bas. Inspire. Relâche, déroule ta colonne, les mains sur les cuisses, dos droit, tu cherches à remonter la pointe des fesses, à tirer la base du crâne vers l'avant, le dos le plus droit possible, relâche, déroule ta colonne, les épaules en arrière, squat tap, 1, 2, ouvre la poitrine, le regard toujours vers l'avant et bloque, T. Le T.
et le T, les 4 squats. Reste en bas, sur le squat, pense à bien ouvrir les genoux. Encore. 2, 3, et reste. Inspire. Pousse dans les talons, expire. Okay. On lance la chanson numéro 2. Tu viens poser les genoux sur le sol. Avec moi, viens placer les mains sous les épaules. Et on commence. Pose de l'enfant, tu rapproches les fesses des talons. Et tu envoies les bras vers l'avant. Petite impulsion et rapproche le pied de la main. 1 et 2. Tu inspires quand tu rapproches les fesses des talons et tu expires quand tu pousses dans le pied. Si c'est trop difficile, pose seulement les orteils. Tu bloques, tu poses le pied le plus près possible de la main. Tu twistes, lève le bras, le regard vers le plafond. Tu reviens. Et de l'autre côté. Twist. Relâche, pose de l'enfant. Les orteils dans le sol, décolle les genoux. Rapproche les mains des pieds et installe-toi en flexion avant. Tu remontes les mains le long du tibia, mains sur les cuisses et dos droit. Pousse la base de ton crâne vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Et relâche. Fléchis les genoux, inspire, pose de la montagne. Et fais extension colonne. Tu expires, tu reviens, fléchis les genoux, pose les mains et on reprend. 1 et 2. Expire. Sur ce mouvement, quand tu poses le pied près de la main, tu cherches à pousser le bassin dans le sol. Dernière fois, et tu bloques, tu twists. Côté, twist, tu relâches, pose de l'enfant, pointe le pied dans le sol, décolle les genoux, rapproche les mains des pieds et tend les jambes, on est en flexion avant, remonte les mains, dos droit, le regard vers le sol et tire la base de ton crâne, relâche, fléchis les genoux et inspire, pose de la montagne. Extension colonne, fléchis les genoux, repose les mains, repose les genoux, avec moi, pose de l'enfant, tu avances les mains, tu remontes, pointe de pied dans le sol, on change de mouvement, c'est le chien tête en bas, la tête à l'intérieur des épaules, tu cherches à monter les fesses vers le haut. Ok, tu reviens en planche, tu poses les genoux et tu rapproches le pied pardon, de la main. Inspire, expire. Tu bloques, cherche à pousser légèrement le bassin dans le sol. Lève le bras et twist. Le regard vers le plafond, cherche à allonger ta main. Tu relâches. De l'autre côté, le bassin dans le sol et twist, lève le bras, tu relâches, on reprend notre refrain, pointe le pied dans le sol, décolle les genoux, rapproche les mains des pieds, flexion avant, cherche à tendre les jambes, à ressentir l'arrière des cuisses, remonte, main sur les cuisses, dos droit, et relâche, fléchis les genoux. Inspire, position de la montagne, cherche à allonger ta colonne vertébrale, extension de colonne. Tu fléchis les genoux, les mains sur le sol. Avec moi, pose de l'enfant et avance le pied. Des talons tout en gardant le dos le plus droit possible.
Tu twists. Et relâche. On change de côté. Pense à twister. Ok, relâche. On passe au refrain. Décolle les genoux du sol et rapproche les mains des pieds. Et voilà, inspire, extension du bras, fléchis les genoux, pose les mains sur le sol, on va terminer en chien tête en bas, lève les fesses à la verticale, la tête à l'intérieur des épaules, cherche à pousser les talons en direction du sol, tends les jambes. Ok, tu reviens, tu poses les genoux. Ok, je te laisse hydrater, on va passer à la chanson numéro 3. Ok, on part sur la chanson équilibre, tu vas commencer les pieds largeur bassin. Inspire, rentre le ventre. Expire. Tu descends en squat avec moi. Descends les fesses et viens poser les mains sur le sol. Décolle les talons. Ouvre les genoux sur l'extérieur. Tu vas venir caler les coudes sur les cuisses. On va faire la position du corbeau. Tu cherches à ancrer les paumes de main dans le sol. Reste face à moi. Inspire. Cherche à monter légèrement les fesses et à basculer la tête en avant. Si tu te sens vraiment à l'aise, tu peux décoller les pieds du sol. Si c'est trop difficile, pose la tête et garde les orteils sur le sol. Inspire en gardant la tête sur le sol, décolle un pied. Repose et décolle l'autre pied. Ok, tu poses. Tu reviens tranquillement. Main sur les cuisses, fléchis, déroule ta colonne. On y reviendra à la fin. Ok, avec moi, tu vas poser le pied droit sur la jambe gauche. Ouvre bien le genou, évite d'avoir le genou à l'intérieur. Inspire, rentre le ventre. Tu vas fixer un point sur le sol. C'est grâce à ce point que tu vas gagner en équilibre. Si tu te sens à l'aise, n'hésite pas à augmenter ta difficulté, à poser le pied sur la cuisse, jamais sur le genou, au niveau de la cuisse. Et n'oublie pas, le genou jamais à l'intérieur, toujours ouvert sur l'extérieur. Avec moi, tu viens attraper le cou du pied, tu colles les deux genoux. On va avoir une première bascule au niveau des hanches. Laisse tomber ton buste, garde la jambe le plus tendue possible. Si jamais tu ressens un gros travail au niveau de la cheville, au niveau du pied, tu restes ici. Si tu te sens à l'aise, tends le bras, cherche à monter le talon vers le haut. Et stabilise ce travail, fixe le point dans le sol. Tu reviens tranquillement, sans poser le pied sur le sol. Tu viens placer le talon sur le haut de la cuisse. Tu attrapes tes orteils, on fait la position du lotus. Pousse le genou dans le sol. Inspire, lève le bras. Attention, ne monte pas l'épaule. N'oublie pas, fixe le point dans le sol. Ok, tu relâches tranquillement. On change de côté. Cette fois-ci, tu places le pied gauche sur ta jambe droite. On évite de tourner le bassin, reste face à moi. Le genou toujours ouvert sur l'extérieur. Et si tu te sens à l'aise, option plus difficile. Ok, n'oublie pas, fixe le point dans le sol, attrape le cou du pied. Première bascule. Au niveau des hanches, laisse tomber légèrement le buste, remonte le talon vers le haut. Tu peux poser la main sur l'autre jambe pour te stabiliser. Si tu te sens à l'aise, tends la jambe qui est ancrée dans le sol. Tends le bras et cherche à monter un peu plus haut le talon. Tu expires, tu reviens tranquillement.
Sans poser le pied sur le sol, tu attrapes tes orteils, le talon sur le haut de la cuisse. Tu cherches à pousser le genou dans le sol. Travail du lotus. Inspire. Fixe le poing dans le sol. Ne le lâche pas du regard. Maintiens ce travail. Continue. Commence à souffler. Et relâche. Ok, on va terminer tranquillement sur le corbeau. Tu descends les fesses, décolle les talons, les mains au contact du sol et cherche à basculer la tête, à décoller les deux pieds du sol. Allez, stabilise, garde ce travail. Et relâche tranquillement. Place les mains sur les cuisses, déroule ta colonne. Et je te laisse t'hydrater tranquillement. Juste avant de commencer la chanson abdo, je vous propose quelques options. Donc on va faire du roll-up. Donc le roll-up, on cherche à dérouler complètement la colonne vertébrale, à poser les mains sur le sol et on remonte sans à-coups. Si jamais ce travail est trop difficile, tu viens poser les mains derrière les cuisses, tu déroules et tu remontes. Tu ouvres la poitrine. Tu cherches à dérouler, à écraser le bas du dos et tu remontes en déroulant la colonne. Ok ? On aura ensuite un travail de gainage latéral. Donc moi, je propose l'option avec le genou sur le sol. C'est l'option la plus facile. Si jamais tu te sens à l'aise, tu peux tendre les deux jambes et on aura un travail où tu vas rapprocher le coude du genou. C'est parti ! On attaque la chanson des abdos, tu viens t'asseoir avec moi. On va aussi travailler l'arrière du bras. Les pouces vers les fesses. Ouvre ta poitrine. On va commencer un travail avec une flexion au niveau du bras. Et tu remontes. On va combiner avec une jambe tendue. Ok ? Ouvre la poitrine avec moi. 1 et 2. Tu penses à souffler quand tu tournes la jambe. Reste ici et déroule ta colonne. Petit crunch. Descends complètement et remonte. Tu cherches à écraser la partie basse du dos. 1 et 2. Tu déroules. Tu remontes. Ok, les deux mains dans le dos. Ouvre la poitrine. Reste à droite. 1, 2, 3. Et 4. Pense à souffler. La dernière. Pose le pied. Change. N'oublie pas, ouvre la poitrine. La dernière. Repose les pieds. Tu tends les bras. On pose le bas du dos sur le sol. Et mini crunch. 1. Cherche à enrouler ta colonne vertébrale. Déroule les bras derrière la tête et remonte sans à-coups. Rentre le nombril. Déroule complètement. Avec moi, tu bascules. On va s'installer en gainage latéral sur le côté. L'option la plus facile, c'est avec le genou dans le sol. La main est bien sous l'épaule. On évite d'être trop loin. Lève bien le bassin, tu stabilises. Inspire, lève le bras. Ok, pose les fesses. On vient de l'autre côté. Bascule. Allez, encore un peu. Ok, tu reviens, tu poses les fesses sur le sol. Écrase le bas du dos et mini crunch. Et tu déroules. Je te propose une option un peu plus difficile avec les jambes tendues. 1. Et tu déroules. Attention, hein, on remonte sans à-coups. Ok, on reprend le travail de gainage latéral. On va rajouter un travail avec la jambe. Lève le bras. Et avec moi. 1. Et pause. 1. Pense à souffler. Ok, pose les fesses. Tu vas de l'autre côté, moi je vais rester face à toi.
Lève le bassin. 1, étends. 2, étends. Ok, le dernier. Ok, tu viens t'asseoir tranquillement. Tends les jambes et déroule la colonne. Déroule. Remonte et on refait les mini crunch. 1, 2, 3 et tu déroules. Ok. Tu viens t'installer sur les genoux. Les mains sous les épaules. Pointe de pied ancrée dans le sol. Tu viens te mettre en planche. N'oublie pas, le poignet aligné à l'épaule. Aspire le nombril. Tu poses les genoux et on fait une pompe crocodile. Les coudes longent les côtes et relève le buste. Ok, avec moi, fléchis les genoux. Reviens en planche. Aspire le nombril. Tu poses les genoux et pompe crocodile. Remonte le buste. Et reviens en planche. Tu restes en planche. 4, 3, 2, 1. Et là, on travaille sur des mountain climbers. Ça fait 1, 2, 1. Donc, tu rapproches le genou au bras opposé. Allez, courage, serre les abdos. Attention, ne monte pas les fesses trop hautes. La dernière, tu poses les genoux, tu rapproches les mains, pointe de pied au sol, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre, et tu relâches. Attaque la chanson étirement, tu viens avec moi, on vient poser les genoux sur le sol et les fesses sur les talons. Donc là, je vais vous montrer l'option la plus facile. Tu poses les mains sous les épaules avec moi et tu lèves les fesses. Tu vas ressentir un étirement sur l'avant de la cuisse. Tu cherches à aligner genoux, bassin et épaules. Ok, relâche. On avance le pied droit. Le talon est juste devant le genou. Tu cherches à replacer les mains sous les épaules et à lever les fesses. Ouvre la poitrine et ressens un étirement sur l'avant de la cuisse. Avec moi, pose les fesses sur le talon. Tu avances le pied droit. Tes mains sur les hanches, tu cherches à pousser le bassin dans le sol à la verticale et le genou légèrement en avant. Au niveau du bassin, tu évites de tourner le bassin. Garde le bassin face à la jambe avant. Avec moi, viens poser les mains sur le sol. Pointe les pieds et on travaille en pyramide. Tu cherches à lever les fesses. Tu cherches à tendre, la jambe avant et la jambe arrière. Ok, relâche. Change de côté. Jambe gauche devant, les mains dans le dos. Si c'est trop difficile cette option, pose les deux genoux sur le sol. Lève le bassin et cherche à aligner genoux, bassin et épaules. Ouvre la poitrine, ne cherche pas à fermer la poitrine. Et relâche. On avance la jambe gauche. Le talon toujours sur le sol. Main sur les hanches et tu descends le bassin vertical et le genou légèrement vers l'avant. Je ne demande pas d'envoyer complètement sur l'avant. Le dos toujours droit. Et avec moi, pose les mains sur le sol. Travail de pyramide, pointe de pied et décolle les fesses. Cherche à tendre la jambe avant. Tends la jambe arrière et la jambe avant. Cherche à ressentir l'arrière de la cuisse. Inspire, rapproche les deux pieds côte à côte. Main sur les cuisses, fléchis, déroule ta colonne. Tu t'installes face à moi. Ça glisse un peu. Ok, avec moi, tu vas venir inspirer, laisser tomber le buste sur la droite. Tu ouvres ton épaule, main sur la hanche. Tu évites d'accompagner le buste vers le sol. Ouvre la poitrine. Si tu te sens à l'aise, pose la main sur le sol.
Inspire, rentre le ventre. Et souffle. Tu viens poser la main sur le sol et tu tournes. Le regard vers l'arrière et tu cherches à effectuer une rotation au niveau du buste. Gardez deux jambes tendues. Si vraiment c'est trop difficile, tu peux fléchir légèrement le genou. Ok, relâche. On va aller de l'autre côté. Tu cherches à t'incliner tranquillement. N'oublie pas, ouvre l'épaule, ouvre la poitrine, main sur la hanche. Et tu stabilises, tu restes. Maintiens ce travail. Avec moi, expire. Viens poser la main sur le sol et tu twistes. Garde les deux jambes tendues. Cherche à regarder vers le fond de ton espace. Cherche à lever le bras vers le haut. Aligner le bras avec le buste. Cherche toujours une rotation au niveau du buste. Garde les jambes tendues et relève légèrement la pointe des fesses. Ok, tu relâches. Petit mouvement de droite à gauche. Relâche complètement, tu cherches à descendre la poitrine le plus bas possible et tu rapproches les pieds petit à petit. Tu viens placer les mains sur les cuisses, tu fléchis les genoux, tu déroules la colonne vertèbre après vertèbre, tu enroules les épaules une fois sur l'arrière et tu relâches. Nous allons terminer ce cours de Yako Attitude avec quelques minutes de relaxation. Je ne parlerai pas, je vous laisserai avec la musique. Vous allez vous allonger confortablement, soit sur votre tapis, soit dans votre lit. Je pense que le choix est vite fait. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Je vous souhaite une bonne relaxation. Fermez les yeux et détendez-vous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau cours.